Cette vidéo, je vous ai mis les backstage de la vidéo précédente. Franchement, on a tellement rigolé que du coup, je voulais partager ça avec vous. Il y a des moments un peu gênants, mais bon, regardez la vidéo, vous allez voir. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Attends, t'es sérieuse? Non, ouais. Elle monte aux oeufs. Vas-y, vas-y. Vas-y, continue. Moi, je sais. Ah, mais en fait, je sais très bien. Ok, hein, mais après, dans la vidéo, je vais bouger dans tous les sens. Vous allez dire, c'est du tout contient. Après, bah, je peux pas. Après, quand c'est bah, quand il y a une pause, mais bouger, c'est-à-dire bouger, genre. Bah, je vais changer, je sais pas, de pause, puisque ça va me déranger. Vas-y, frérot, c'est toi qui va paraître chelou. Ouais, bah. Mais après, j'ai envie de faire des asticots. C'est vraiment qui dit ça. T'as la tablette. Fais comme ça. T'es sérieux, tu vas bouder là? Mais je boude pas. Bah si tu boudes frérot. Fais comme ça la tablette et genre on tient comme ça. Franchement Marie, moi, je sais pas qui t'a éduqué comme ça. Ça fait businessman. Ça c'est toi qui l'éduque. Bah si c'est toi qui l'a éduqué. Mais Bella, tu fais exprès là. Tu fais écrit comme ça. Moi je casse. Non mais Bella, attends, je te montre. C'est quoi pour la chef? Non mais pas fini. Eh, je vais vous claquer. J'ai passé plein de vidéos, commencez pas à me saouler. Ça c'est vrai, j'aurais dû prendre mon nouveau téléphone. Ah non, prends ta la petite. Ah ça y est, t'as fini ta schizophrénie là de boudage. Ah c'est le plus schizophrène. Arrête de mentir, Tyrone. Je te jure, parce que t'as marché sur ma croûte de toute façon là. Vas-y, c'est pas la peine de parler de tes croûtes. Tu peux avoir à boire. Tes croûtes. Attends. Salam alaikum. Ça me choque en fait. Là franchement, ça si on devait faire la vidéo. Vas-y, elle m'appelle maintenant. Donc, il est minuit. Il est 1h du matin. Il est 2h. Ça me choquait. T'as senti le shit. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, non. Vous savez, on est sur la table. En vrai, c'est wesh, ça fait que dire frérot. Ça me choquait. Elle fait la toute douce. Là, c'est une meuf de. C'est une thug. C'est une meuf de la street. Tu as un programme de la street. Ouais, famille Diallo. Non, mais Bella, arrête. Ça fait rire comme ça. Mais non, mais c'est super bien. Moi, j'aime bien. Coucou à mes copines. Moi, j'aime pas quand tu dis coucou. Bah, non, même mes copines que je vois. En vrai, tu en dis quoi? Coucou, Salma, est-ce que tu dis ça? Bien sûr. Tu dis pas coucou, Salma, arrête de mentir. Mais bien sûr que c'est. Ah ouais, tu vois. On peut appeler Salma là tout de suite. Ouais, c'est bien. C'est moi que tu manges, je te connais. Bref, on dit quoi alors? On dit coucou tout le monde. Normal, je dis pas bien ou quoi en fait, je dis pas ça frérot. Mais tu dis frérot. Ouais, mais je dis frérot. Mais je dis frérot. Non, coucou frérot. Coucou frérot. Mais moi j'aime bien. Chacun dit ce qu'il veut. 1, 2, 3. Coucou frérot. Allo, parle. Salam alaikum. Mais ça va pas ça. Mais t'as vu les bails comme ça là? Ça c'est des vidéos où tu restes. Et tu sais que ça va être marrant. Mais grave. Genre, oui, bonjour, moi ça m'intéresse pas. Vas-y, dis jamais coucou. Est-ce que ça fait coucou? Genre, dis ça, moi je parle pas comme ça. Coucou. J'ai jamais dit ça de ma vie. Mais grave. J'avoue, c'est moi qui dis coucou. Il vient ou quoi comme ça? Ah, tu voulais dire, il est où mon verre d'eau? Je sais pas, je veux dire, vas-y, j'ai trop sérieux, je reviens dans une vidéo. J'avoue, je suis plus tactile. C'est Tcherno ça. Star. Non mais en fait, c'est bien. Tout le temps, tu me fais des bisous, des câlins et tout. Ah ouais, c'est vrai de mentir. Le soir et tout, il vient, il nous fait des câlins. C'est menteuse. Bien sûr, je vais te manger. Arrête, Tcherno, je savais pas, tu vois. Moi aussi. Non mais c'est bien parce qu'on découvre, tu vois, je te jure, je savais pas. Je t'aime bien. Arrête de mentir. Il y a des raies noires, il dit sur Paris Bléda. Imagine ton père c'est Blédard, imagine ta mère c'est Blédard. Ta grand-mère. Comment tu fais? Tu pars? C'est fini. Moi ça me choque quoi. Ça me choque. Franchement c'est des renoirs qu'il faut les meufs dans. Eh moi je suis rappeur hein. Je suis rappeur, j'étais Banyabo en 84. En fait je sais pas comment. Il est pas tout là. Mais il est fou. Il pense pas lui. Voilà. Voilà, pardon. La preuve à l'image. On peut tous poser des questions. Non, c'est oui. Et
Pourquoi tu dis moi tout le temps, qu'est-ce que t'as compris? T'es une petite peste, c'est vrai. T'es une petite peste, c'est vrai. Non, j'ai l'impression que t'aimes bien taquiner au bout, quoi. Ah ouais, une petite peste. Je calcule même pas, frérot. Si. Bah, le peu de fois que tu me calcules. T'aimes trop faire, Germain. Juste quand on dit un truc. Ouais, voilà. Ah, mais on fout, en fait. C'est méchant, t'as vraiment des fous. Il y a des fous. Vous avez vu, ça, c'est les plus hypocrites. Non, non, dis ce qui sort du cœur. Voilà. Dès que ça va. Mais c'est pas mieux, on est tous un peu susceptibles, hein, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Elle m'a grippé, j'oublie. Mais là, qui montre. Dans la famille, je trouve qu'on est tous sensibles, sauf qu'il y en a qui le montrent plus que d'autres. C'est tout. Susceptibles plutôt, je voulais dire. Ouais, moi, c'est vrai, des fois, je vais pas montrer, mais parce que vas-y. Oui, genre, tu fais pas. Down, tu vois. Voilà, tu dis vas-y, fuck, mais en fait, moi, je fuck. Ah là, c'est avec Pam que tu veux dire. Moi, tu sais, c'est Daddy. Fuck down. Les nerfs sont tendus. Non, faut dire. On est fatigué. On en a marre. Mais venez me voir. Ils sont mal à bref. Mais babadaille. C'est un dossier, là, dans ton dossier. Qui a babadaille? Papa, il dit quoi? Mais juste le babardage. Mais à la maison, il dit babardage. Mais à la maison, on n'a pas le droit de parler. Bon, attendez, sinon, tu babardes là. Sinon, j'étais à la télé. Quel moment à couper, là? C'est un coup que j'allume. Qui est le... La plus conne. Et... C'est chaud! Je sais bien, on va mettre qui là, frérot? Moi j'ai personne, franchement j'ai pas. 1, 2, 3! Sassine! Oui, désolé, mais. C'est vraiment du sassine! Non, mais là c'est des fois, genre je suis la plus conne! Des fois t'es conne! T'as dit quoi? T'as pas de culture! Arrête, vous n'êtes plus conne ici, arrêtez! Tu rigoles en fait! Comment ça? Toi tu dis que je suis bête? Je suis vas-y, c'est bon, dégage! Sassine, non, mais vraiment, arrêtez de s'abuser! Il est vraiment abusé! Mais c'est vrai, parce que c'était dedans, mais genre je pensais qu'on allait. Mais en plus, elle a dit moi, c'est pas comme si j'allais me gêner, dis-moi. C'est vrai. C'est un peu de la femme gêner. Quand on a dit on est en danger, ouais, franchement, on est en danger. Mais attends, c'est pour ça, elle a dit. Je jure, on arrête la vidéo là, vous êtes malade ou quoi? Genre, moi je suis la plus conne. Mais écris bien. Non, Il y a eu des petits clashs, mais pas des embrouilles comme ça. Mais franchement, la vidéo elle est d'art. Continue. Il y a que des vérités qui sont sorties. Des vérités, et franchement, on en a pas mal. Ça fait mal, mais ça m'est choqué. Bon, c'est la plus relou. Ou le plus relou. C'est celle qui pue. Putain, on voit, c'est la même réponse de toute façon. C'est pas grave, attends. On a dit les vérités. Qui quoi? En vrai, celle qui pue, il y en a. Celle qui pue. Ah, mais des fois, il y en a. Ça change pas. Attends, on a dit qu'on dit la vérité. Moi, je sais pas, ça change pas. Ouais, attends, ça change pas. En vrai, il y a personne qui pue. Marie, c'est toi. Marie, c'est pas méchant. Tu mets du dos, ça va, mais t'es genre en jeu. Non, mais des fois. Non, mais même, et en plus, peut-être mettre plusieurs fois dans la journée. Regarde, des fois, elle met tes habits, je peux pas. Ça pue. Voilà. Et tu te rappelles pas l'autre fois, t'as voulu mettre mon pied. Même Simon, l'autre fois, il a dit vraiment, moi, elle est plus douce. Après, depuis que tu l'as en audio, ça va mieux. Mais ça va mieux, mais voilà, des fois, c'est pas grave. Parce que tu frottes pas tes aisselles. Faut frotter. Tu pues. Non, mais sérieux, les gars, c'est bon. Là, franchement, c'est bon, on arrête parce que voilà. Je dis la vérité. Non, mais laissez là, c'est bon. Moi, les gars, pleure pas, c'est bon. Mais Marie, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais tu pues. Et lui dit, arrête. Non, mais attends, et c'est mieux que ça soit ta famille ou tes amis? Et au moins, ils vont voir que t'as changé. Regarde tes potes, ils vont dire, elles sont bons. Regarde, Billy, c'est un moment, elle sentait de ouf la transpire. Ouais, j'avoue, hein. Et on lui a dit. Arrête d'abuser, Billy, ça se fait pas la peau. Non, Marie, tu pleures, c'est ça. Marie, tu pleures. Vas-y, c'est monté. Face à un homme trop fort. Ces vidéos là, c'est tout n'importe quoi. Faut pas faire des vidéos comme ça, wesh. Ouais, mais avec des femmes, c'est n'importe quoi, wesh. Tout le monde est censé leur pourrir. Attendez, vous me dites pas que vous pensez. Ouais, mais elle pue. Elle pue. Moi, je suis fou. Toute la France, c'est pas voir ça. Toute la France, c'est pas. Allez, elle pue, franchement. C'est non, mais arrête.
Allez, vas-y, va faire. Maline, non, ça c'est arrête, franchement, toi aussi, sois gentil avec elle. C'est bon. Mais hier, elle faisait la maline, non. Ouais, et tout à l'heure, quand vous avez dit ça, si je sais pas quoi, frérot, j'ai pas fait. Ah bah, non, mais tu vas mettre, hein, t'as pas peur, hein. T'as pas le machin, hein. Ouais, c'est une gamine. Ça reste. C'est une gamine parce que toi t'as pendant longtemps. Mais tu pues, hein. Bref, vas-y, c'est pas grave. Allez, Marie, tu continues ou pas? Non. Vas-y, elle joue plus, allez. Allez. Elle a tout niqué. Hasta luego. Non, mais c'est toi, toi aussi, t'abuses, wesh. Tout le monde a mis Marie. Mais elle aime trop chialer. Moi, toi aussi, t'as mis Marie, alors. C'est bon, de toute façon, je m'arrive plus. C'est marrant. Ouais, tu peux. J'ai eu un rêve, Christophe. Bah, tu es plus, hein. Tu es plus. Moi j'ai dit, bah moi je suis. Déjà ils vont se dire, voir comment elle est méchante. Bah dis-moi, c'est vrai, tu fous. Non mais là c'est la pire. Je suis blague, c'est quoi? Tu fais la sortie de touche, j'ai arrêté, ça c'est pas. Bah ça c'est d'abord, elle écrit Mario. Alors, je sais pas ce que vous avez fait, mais ça va, je sais pas. Et elle, alors, elle me disait comme ça. J'avoue qu'en découvrant ce passage, franchement, j'étais assez triste, mais bon, c'est vrai tout ce qu'ils ont dit et je m'excuse encore auprès de mon frère et de mes sœurs, vraiment désolée. Si elle lui a fait qu'on n'aime pas, ben moi, quand j'étais petite, on était sages, moi et Fatou, je me rappelle, on était des enfants très sages, et ben elle nous enfermait dans la chambre, moi et Fatou, et elle s'assied au salon. Elle regardait son film. Attends, pendant que nos parents ils faisaient les courses, et ben ils lui demandaient de nous garder, et ben elle nous enfermait dans la chambre. Et genre, elle regardait un film au salon, elle se couchait dans les couvertures. Et genre, nous, on était enfermés en mode, on criait. On disait, ça c'est. Ça disait, elle regardait ça, disait. Ça me choque. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que vous? Genre, elle était vraiment méchante. Tu viens à Brest, elle m'a forcé à manger le bol de pâte. Moi, si je me rappelle d'une chose à Brest, attends, elle m'a attendu. Et attendez, ça va finir. Elle nous a et après, tu sais ce qu'on faisait, moi et Fatou, et comme on était des miskines, et ben on écrivait des musiques, on disait ça, s'il te plaît, la plus gentille. On croyait trop gentil, t'es belle, des trucs de con. Attendez, moi j'ai une autre histoire, c'est moi mon histoire. Non, ben non, c'était dans l'ordre. Peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, moi, avec Bella, des fois, on allait, je suis passée à Strasbourg, ouais, on était étudiants. Ah ouais, écoutez. Dans son appartement. Et du coup, bah, ça, elle était tranquille. Nous, on était gentils. On avait piché d'elle, du coup, des fois, on lui ramenait un peu de course. Ouais, on a toujours été gentils, nous. C'était la vie d'étudiante. Et bon, un soir, elle nous demande qu'on l'amasse. Parce qu'elle était fatiguée, on a dit d'accord, on l'amasse un peu. On l'amasse. Après, moi, j'ai dit, j'en ai marre. Après, elle a dit, bon, vous faites une pause, après vous recontinuez. Attends, vous massez les pieds, j'ai dit, non, ah non, bah, les pieds. Non, elle a dit, vous massez les pieds, après, genre, Fatou, elle a dit, non, c'est mort, tout, ouais, moi, j'ai dit, non. Les pieds, à part mes parents, genre, je peux pas. Ouais, les pieds, ça après, elle a dit, vas-y, vous mâchez le doigt. Moi, je dis, moi, je masse le dos si tu veux. Après, du coup, j'ai commencé ouais, à et moi, je vais faire le dos. Et Fatou, du coup, elle était condamnée à mâcher les pieds. Mais moi, j'ai dit, non, c'est mort. Elle a fait, t'es sûr. Elle m'a virée la nuit dans une rue à Strasbourg comme ça. Mais après, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit Bella, ramène-la dans l'ascenseur. Enfin, tu m'as ramené, t'as dit. Ouais, elle m'a. Elle sait ce qu'elle a dit. Enfin, toi, je suis désolée. J'avais pas le choix, j'avais peur. Elle a dit, je suis désolée, elle m'a laissée toute seule la nuit. Mais bah, vous j'étais peut-être en CE2. J'avais peut-être une sorte de dégoût. Non, j'avais la haine, je me suis dit. Une sorcière celle-là. Ouais. Mais après, je l'ai parlé pendant deux minutes, mais je l'en ai pas. Après, au bout d'un moment, elle m'a dit. Oh, j'étais chez elle, frère. Non, après, au bout d'un moment, elle m'a dit, vas-y, Bella, va la chercher. Après, du coup, je vais aller, j'ai dit, va tout seul. Elle a pas de rancune. Mais tu vois, tu n'en parles pas. Ouais, tu n'en parles pas. Moi, non. De toute façon, je suis pas trop rancunière. Donc, du coup, elle fait la gentille, mais franchement, quand elle était petite, elle nous a traumatisés. Croyez pas ce que vous voyez. Grave. L'image. C'est l'image. Eh, ça, c'est, tu peux pas couper, hein. C'est pas une genre de anecdote. C'était à Brest, vous voyez. Et en fait, ça, c'est dans sa maison, elle avait tout le temps un bol, genre un bocal où dedans, elle avait des bonbons, des camemberts, des trucs. Maintenant, un jour, ça, elle dit. Ouais, c'est bizarre là. Il manque des camemberts, il manque des bonbons. Genre, il reste la moitié des bonbons, c'est trop bizarre. C'est lui après. Moi je dis c'est pas moi. Je sais pas moi. Mais non, c'est pas. Mais regarde la trahisseuse là. Elle m'a trahi. Elle dit quoi? La traître, elle dit quoi? C'est Marley, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu manger. Ça va des monstres, vous savez, mais alors que c'était Bélix, en fait, Bélix, elle avait laissé les emballages. Elle avait laissé les emballages dans ma valise et tout ça. Genre, elle mettait les emballages dans mes affaires. Maintenant, ça si. Bélix, elle dit si c'est vrai, va voir dans sa valise, il y a des bonbons et tout ça. Maintenant. C'est pour ça, au début, je l'avais testé en ce moment-là. Non, mais je rigole pas. Après, ça, elle m'a fait quoi? Elle m'a puni.
Elle m'a puni, j'avais plus le droit de manger, j'étais enfermée dans la chambre alors que j'avais rien fait, j'ai bon, même après, pas les gambas. Après, moi, je, moi, pour une fois que Marley, c'est toi qui te fais avoir, ouais, parce que Marley, elle m'a tellement fait de coups, elle m'a fait un lycée. Non, mais non, non, je m'en rappelle. Des et du coup, après, je me rappelle, après, on était sortis. Non, mais après, du coup, non, après, on était sortis et tout ça. Après, moi, je faisais que de pleurer, elle me disait, mais Marley, franchement, t'as abusé tout ça. T'aurais pu me demander, en fait, je m'en fiche, mais tu demandes. J'ai dit, mais c'est pas moi, je suis sûre, c'est Biggie qui a mis dedans. Après, elle a dit, c'est vrai. Après, du coup, elle a dit, Biggie dit la vérité, Biggie, ça l'a avoué. Du coup, ça, elle était partie m'acheter des bottes et une veste. Non, j'ai pas avoué. Hein. Si. C'est quand elle faisait le ménage, genre ma valise elle était verte et elle a vu. Ah ouais, voilà. Voilà, elle s'est toute seule. Et du coup, après, elle m'a offert une veste et tout ça. Et je rappelle que ça a été mis avec eux. Elle avait rien. Ça, elle a dit, je t'achète rien. Mais après, au final, ça, c'est après, elle lui avait commandé plein de vestes et j'avais la haine parce que, genre, pour moi, c'était. Non, elle méritait rien en fait. Oui, moi, je te connaissais pas sur ce visage. Hein. Voilà. Non, mais bravo, je te félicite. Et aussi, j'étais pas contente. J'avais pas. C'est toi. En fait, parce que elle, en fait pour moi, j'avais pris. Et après, je me suis dit, bon, en fait, je suis dans la merde, moi. Alors que j'aime même pas les carambars. Pourquoi c'est Marie qui se passe? Parce que moi je suis la merde. Vas-y, tiens, c'est la seule bêtise que j'ai fait. Vas-y, aussi, t'as rien fait, non? Si. Raconte. Elle me passe. Même quand tu es petit, hein. Mais je dirais parce que je suis petit, là, mais si. Ah, il est gentil. Je rigole. Et après, il y a quoi? L'histoire des pâtes, là. Ah oui, vas-y, raconte. À Brest, là. Tu vomis? J'étais là, j'étais moi. Merci. Genre, on m'a monté là, je mangeais, j'ai mis un bol de pâtes, mais j'étais petit. Après, moi, j'ai pas fini. Elle m'a forcé, il y en avait grave, jusqu'à j'ai. Non, parce que t'as dit, quand elle te sert, elle dit, ouais, vas-y, tu veux, dis-moi, stop. Après, du coup, tu dis stop. Mais vas-y, il était petit, du coup, il est pas conscient. Il a dosé de ouf, il a mis une grosse assiette. Ça veut dire, il a commencé à manger, il a bouffé un peu. Après, il a dit, hé, t'as mis, tu finis. Après, il a dit, mais vas-y, je te jure, je peux plus, là, j'ai forcé. Et après, il a continué un peu, mais il a dit, là, je peux plus. Et Simon, il disait, vas-y, Sassi, arrête, laisse-le, c'est bon, et tout, il est au frigo, il finira demain. Mais moi, j'ai dit, Sassi, c'est bon, il va finir demain. Elle a dit, non, il va finir aujourd'hui, il va finir son assiette. Je sais pas, j'ai dit, c'était beau, vas-y. Alors, Sassi, on regarde le coup, je pense que tu te rendras compte de ce que t'as fait. Bah, toi, t'as changé, donc c'est bien. Des fois, t'as envie, mais tu fais pas, c'est bien. Bref, et après, c'est ça que ça nous a marqué. T'as continué à manger? J'ai vomi dans tout le salon. Après, il s'est levé, là, tu t'es levé? Ouais, j'ai vomi dans tout le salon. Et il a commencé à vomir, ça. Je me rappelle, il y avait un poteau au milieu du salon. Il a. Tout le poteau, il était beige. Tout le poteau, il était. Ça rentrait pas dans mon estomac quand j'ai mangé deux fois. C'était dégueulasse. Le poteau, le poteau, il était beige. Tout était. Il y avait des taches. Simon, il a fait. Oh, j'ai enlevé tout ce qui s'est effacé, il voulait le tuer. C'est vous avez nettoyé? Oui, après, moi, j'avais pitié. Franchement, j'avais pitié et tout le. Genre, ça fait pitié, franchement, ça faisait pitié. Du coup, voilà. Ça, Simon, il a dit, vas-y, ça, je t'ai dit, tout, t'avais comment t'abuser et tout. Elle a dit, je m'en fous. Moi, j'ai aussi une autre histoire. J'en ai marre qu'on undercover, tout le temps, m'accuse. Non, non, mais je viens pas. Avant ou après? Maintenant. Avant parce qu'après on va être fatigué. Non, on est pas pile. Ouais, mais je sais pas, je pense que c'est mieux après parce que du coup on aura eu des réponses, ouais, tu vois. Parce que tu gardes ce qu'il y a là. Ah, mais fais-en une. Putain, 7 minutes. Pourquoi tu te rapproches? On a dit que c'est par rapport au passé. Il est où mon nom? Descends, il y a la tablette. Il est où mon nom? Vraiment, en fait, c'est pas une plus blanche.